Allez, c'est parti, j'attaque le remplissage du bateau. Donc pour ça, j'ai pris des panneaux de polystyrène extrudé. Attention, si vous devez résiner par-dessus, ne mettez pas du polystyrène. Ça réagit avec la résine et ça fond le polystyrène. Prenez de la mousse polyuréthane. Là, moi, dans tous les cas, c'est juste du remplissage. Par-dessus, il y aura un petit peu de mousse polyuréthane, mais je résine pas directement sur la mousse. Donc là, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est que c'est léger, c'est assez rigide. C'est pas trop cher, ça va permettre de faire du remplissage et de la flottaison. Et bien sûr, ça pourrit pas dans le temps. Ça a moins tendance à devenir poreux, contrairement à la mousse polyuréthane qui est au bout de une dizaine, au bout de 20, 30 ans, elle commence à être poreuse et il y a l'eau qui pénètre dedans, comme ce qu'il y avait quand on a démonté le bateau. Le polystyrène, ça a moins tendance à le faire. Du coup, on va découper les panneaux, on va les coller ensemble à la colle polyuréthane, la même qu'on a utilisée pour le tableau. J'ai fait un test, ça accroche du feu de Dieu. Du coup, on va faire ça. On va découper les panneaux à peu près à la bonne forme. On les colle ensemble et ensuite on redécoupera pile la bonne forme pour les emboîter en un seul bloc. Ce bloc-là sera bien sûr moussé à la mousse PU pour faire la jonction avec la mousse existante et que ce soit bien solidaire, qu'il n'y ait pas trop de vide, que ce soit bien rigide. Donc allez, c'est parti, on va commencer à découper les panneaux. Bon voilà, j'ai découpé tous les morceaux. Tac. Bon, normalement, tout ça, ça doit rentrer dans la coque. Bon, là, je les colle ensemble et ensuite, on les ajustera au moment là pour bien les faire rentrer sans trop forcer non plus. Et on jointera le tout à la mousse PU. Du coup, collage, colle polyuréthane, c'est parti. Ça y est, j'ai tous mes blocs de mousse qui sont tous nickel. Maintenant il va falloir les ajuster pour remplir tous les espaces qui sont là avant de refermer. On collera tous les morceaux à la mousse PU pour solidariser le tout. Donc allez, c'est parti, cutter et ajustage au fur et à mesure pour voir comment ça rentre.
Bon voilà, ça y est, j'ai fini de tout mousser. Voilà, j'ai fixé tous les panneaux à la mousse. Bon, j'ai pas tiré sur la cam, à la mousse j'en ai foutu. J'ai passé 6 bonbonnes. Je pensais en avoir un peu de reste, mais finalement j'ai tout mis. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop à certains endroits. Mais bon, au moins je suis sûr que ce soit bien rempli tous les vides. Voilà, ça dégueule un peu de partout. Donc ça c'est pas mal. Après on prendra la ponceuse avec l'aspirateur branché dessus, grain 40. Et on mettra, on ajustera, et comme la mousse elle pousse, ça a tendance à décoller un petit peu à certains endroits, à faire monter un petit peu le panneau. J'ai bien veillé à ce que le long de l'étrave, j'ai un petit espace de vide qui me permet à l'eau de circuler. Et l'eau, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou là. Ça permet à l'eau de ressortir. Comme ça, je suis sûr que s'il y a une fuite ou même s'il y a de l'eau qui s'infiltre à travers la coque, elle va par gravité descendre, aller en bas, retomber et puis voir s'évacuer. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de l'eau qui s'accumule en trop grande quantité dans la mousse. Même si le polystyrène, ça, je suis sûr que ça ne se remplira pas d'eau. La mousse PU que j'ai mis, peut-être qu'elle va se gorger un petit peu d'eau. Bah, sur les parties basses, hein, uniquement là où ça touche le fond. Mais normalement, ça ne devrait pas bouger. Et la mousse existante, je sais que ça a port fermé. Elle est vieille, mais la partie qu'on n'a pas enlevée, elle est saine. Et c'est toujours sur la partie du milieu où l'eau a tendance à s'accumuler parce que c'est la partie la plus basse et par gravité forcément elle arrive en bas. Du coup toute cette partie là est saine et ça on en est sûr. Donc il restera à passer le tuyau de la pompe de cale avant de refermer ici. Et il va falloir que je rachète quelques bombes de mousse pour finir 2-3 petits endroits où il va en manquer, pour notamment pour fixer le panneau. Le grand panneau que vous m'avez vu faire qui est juste là. On mettra tout nickel de niveau et ensuite je mettrai la mousse en dessous et on plaquera avec la mousse, ça va le coller en place. Il va être vissé sur la partie en bois et on résinera par dessus les vis, et sur le côté ça va être tenu le temps qu'on résine avec pareil des petites cales en dessous en alu et deux vis auto-perforantes. Comme ça après on fait un grand résinage sur tout le haut et ce sera nickel. Bon, avant de refermer tout ça, il va nous falloir installer les tuyaux pour la pompe de cale. Du coup, on a plusieurs choses à passer. On a cette partie en angle qui va aller là et ressortir à l'extérieur. Donc, un tuyau avec une valve anti-retour en plus. Ensuite, on va avoir un passe-coque qui va aller à peu près à cet emplacement-là, mais un peu plus bas. J'ai fait un emplacement pour passer le tuyau. Et ensuite, ici... Au fond, on aura la pompe de cale qui sera reliée avec ce tuyau qui est un peu plus gros parce que je me suis trompé au moment de la commande. J'ai commandé une pompe de cale avec une sortie en 28 et du coup on a un petit raccord. On part sur un gros tuyau, on réduit et après on passe sur du tuyau en 20. Déjà en 20, ça permet d'évacuer un paquet de flotte. Hein. Tac, tac, donc découpage des tuyaux.
perçage des trous ici pour accueillir le tuyau et découpe du tuyau à la bonne taille. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai tout préparé, j'ai tout poncé, enlevé tout ce qui dépassait, j'ai tout ajusté. Du coup, maintenant, la prochaine étape, ça va être de refermer directement.